musique était d'Ennio Morricone, il faut peut-être le rappeler. C'était donc en 1750, au milieu du 18e siècle. Alors quels sont les enseignements, peut-être, qu'on peut en tirer ce soir sur les pouvoirs de l'Église, et principalement sur les pouvoirs tels qu'ils s'exercent actuellement, en matière politique, en matière économique, en matière sociale, en matière de mœurs également. C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir, ici sur ce plateau, avec nos invités. Raison de plus pour que vous restiez avec nous et que vous nous retrouviez juste après ces quelques minutes de publicité. Chez Saab, la perfection, c'est la nouvelle Saab 9000 CS. Aujourd'hui, chez Saab, la perfection commence à 159 000 francs. Savourez le plaisir simple d'un confort parfaitement maîtrisé. Avec le gaz naturel, Gaz de France vous apporte l'harmonie d'une énergie qui construit l'avenir. Avec le gaz naturel, voir autrement, voir plus loin. C'est ma zoo. Seul Euro Disney. Il n'y a qu'une seule carte officielle. American Express, la carte officielle d'Euro Disney. Le pavé. Le pavé dauphinois. Tant de tendresse cachée sous cette robe laiteuse. Le pavé dauphinois. Le pavé. Non, coupez. Quoi? T'as oublié l'onctuosité. Ah non. L'onctuosité, il n'y a que dauphinois qui sait la jouer. Dauphine, tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant. À Marie-Ige, de Givenchy. On est tous pantachocs. Pantachocs, ça nous va bien. Falco, Falco. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. Savoir qu'il a besoin d'exercice, de liberté et d'équilibre. Avec Royal Canin, vous donnez à votre chien une alimentation complète et adaptée, qui lui fournit toutes les protéines et vitamines nécessaires à sa vitalité. Royal Canin, le vrai respect du chien. Aujourd'hui, au départ de Paris-Orly, une compagnie aérienne offre le plus grand nombre de vols pour les États-Unis. American Airlines. Tous les jours de Paris, American Airlines vous emmène sans escale vers cinq grandes villes américaines. New York, Raleigh-Durham, Miami,
Chicago et Dallas-Fort Worth. De là, sans changer de compagnie, vous pourrez repartir vers l'une des 270 destinations desservies par American Airlines en Amérique, et même au-delà si vous le désirez. American Airlines, aucune compagnie ne vous emmènera aussi loin en Amérique. Décidez qu'il fait beau, s'arrêtez prendre un pot, c'est très jus de raisin. Le jus de raisin, quelle santé! Enquête, filature, arrestation et saisie de stupéfiants. De Paris à Marseille, de Roissy au Doc du Havre, la lutte contre la drogue vécue au quotidien par les anti-héros de la Brigade des Stupes. Un document saisissant. Et voilà la poudre. Les anti-héros Brigade des Stupes, mercredi 22h20 sur Antenne 2. La question que nous posons en titre ce soir, l'Église a-t-elle encore du pouvoir? Bien évidemment, on va répondre oui tout de suite et puis vous dire qu'il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin, réfléchir sur les différents domaines où l'Église exerce réellement son pouvoir. Alors, nous aborderons le domaine politique, le domaine économique et social avec des reportages et puis le domaine de notre vie à nous, notre vie privée, où très régulièrement l'Église interfère. On verra comment, pourquoi, avec quel raisonnement, avec des témoignages ici sur ce plateau, mais également des reportages. Alors, le film que nous avons suivi ensemble se passait donc au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle. Il montrait bien la raison d'État avec cette volonté à la fois des Espagnols et des Portugais d'en finir avec l'expérience des Jésuites dans une communauté d'Indiens Guarani. Mais peut-être qu'il symbolise aussi très bien ce qu'a été le travail, entre guillemets, des Jésuites dans le monde depuis leur création. Alors à mes côtés, j'ai quelqu'un qui était provincial des Jésuites, le père Henri Madelin. Vous êtes actuellement maître de conférence à Sciences Po, vous enseignez à la science politique. Vous avez évidemment bien regardé ce film, mais vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Est-ce que vous avez l'impression que, au fond, les Jésuites ont été, à cette époque-là, et sont toujours, une force politique? Parlons du passé d'abord. On verra tout à l'heure pour aujourd'hui. C'est incontestable qu'ils sont une force politique. Ils ont pris des précautions pour cette opération des Guaranis. Ils savent qu'il y a une hostilité entre l'Espagne et le Portugal. Ils savent que les Portugais sont des gens qui rasient davantage les esclaves. Donc ils ont, avec la cour de Madrid, obtenu des franchises pour pouvoir créer cet État. Ils ont du pouvoir. Mais ce qui me frappe, et ce qui va revenir sans arrêt dans l'histoire, c'est qu'ils sont plutôt les victimes du politique que les hommes qui font de la politique. Ce film le démontre assez bien. Ce que je ne comprends pas bien, c'est qu'au départ, lorsque l'ordre des Jésuites est fondé, il est là pour, j'irais, être le plus proche possible du pape. Or, c'est lui qui, non seulement dans cette histoire-là, mais dans toute l'histoire des Jésuites, on les retrouve plutôt en conflit avec l'autorité du pape et avec l'autorité de Rome. Ça, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Il y a plein d'exemples. Après, on les verra ensemble. Bon, très bien. Mais là, il se trouve que nous sommes à une situation maximum de tension par rapport au vœu d'obéissance, parce que l'histoire continue après les Guaranis. Le Portugal va chasser les Jésuites, puis l'Espagne, dans des conditions absolument scandaleuses par rapport aux droits des personnes. Après, ce sera la France très chrétienne. On sait ce que ça veut dire, la France très chrétienne, on a appris ça par l'histoire. Et puis c'est le pape lui-même qui va supprimer l'ordre des Jésuites. Il va interdire les Jésuites. Et puis les mêmes Bourbons qui les avaient supprimés vont les rétablir en 1814. Mmh. Donc il y a là une constante. C'est-à-dire sans arrêt vous avez fait peur? Je ne crois pas que c'est ça, peut-être que c'est parce que les Jésuites avaient du pouvoir, ça je ne nierai pas ça, en tout cas dans cette période. Mais ce qui me frappe, ce qui n'a pas plu, c'est plutôt la descente
disons, dans une suite du Christ au plus près de population. Et ça, c'est aussi une constante de l'ordre des jésuites. C'est-à-dire, là, on est en train de... Avec ce film, on voit un mouvement missionnaire en Amérique latine, mais il y en a d'autres où, finalement, il y a une tentative extraordinaire d'entrer par la porte des autres, de trouver par où on peut passer pour évangéliser ces populations. La très belle image de la musique au début, la flûte, les orchestres. Les jésuites avaient repéré que la musique, c'était essentiel pour les Guaranis. Ils apprennent leur langue. Et je crois, quand on voit ça, on s'interroge pas tellement sur les qualités politiques des jésuites, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme vitalité intérieure qui permet d'aller si loin, de faire des choses si étonnantes. Quand même, vous, je disais tout à l'heure, vous enseignez des sciences politiques. C'est-à-dire, vous continuez à faire de la politique, d'une certaine manière. Enseigner, ce n'est pas faire de la politique. Au contraire, j'apprends à bien discerner comment on peut entrer dans les phénomènes politiques ou en sortir. Mais vous n'êtes pas neutre, quand même. Ah non, mais ça, je crois qu'il n'y a personne sur la Terre qui est neutre dans ce domaine. Je vais aller rejoindre le père Jean-Pierre Margile. Vous êtes, vous, quelqu'un d'engagé, si j'ose dire. Vous avez 59 ans, vous êtes prêtre à la Mission de France, vous avez été 28 ans au chantier naval de La Ciotat. De la Seine, pardon. De la Seine, c'est juste à côté. La Seine-sur-Mer, c'est, juste à côté. Ça appartient à la Normède qui est liquidée, rasée, on n'en parle plus. Ouais. Vous avez été militant CGT. Vous êtes toujours à la CGT ? Je suis toujours à la CGT en tant que pré-retraité, mais par contre, j'ai des responsabilités associatives dans le cadre des représentations des locataires HLM, et je suis administrateur HLM élu dans le cadre de la CNL, la Confédération Nationale du Logement. C'est pas compatible avec le droit canon, ça ? Si ? Je crois que c'est compatible avec le compagnonnage des hommes au quotidien. Quand vous vous engagez à la CGT, vous avez demandé l'autorisation ? Non. Non, je pense pas que l'Église ait à intervenir sur des choix simples. Simples. Un homme seul, un travailleur seul, est un travailleur perdu. Un travailleur sans idée, un homme sans idée, est une bête. Et ça, c'est mon syndicat qui me l'a appris. Et je crois que c'est tout à fait compatible avec l'Évangile. Dans les statuts que j'ai ici de la CGT, il y a quand même la notion de lutte des classes, il y a la notion de socialisme. Est-ce que ce sont des notions très politiques, et donc est-ce qu'elles ne débordent pas du rôle du prêtre, tel qu'il est défini, encore une fois, par le droit canon? Eh oui, mais prêtre ouvrier, c'est difficile de ne pas être à la charnière de ce qui est, de ce qui vient des hommes et de ce qui vient de Dieu. Comment faire autrement? C'est un des aspects du prêtre ouvrier, c'est d'effectivement d'assumer l'épaisseur humaine du quotidien, y compris avec les aspects syndicaux, avec les aspects revendicatifs. Comment faire autrement? Les prêtres ouvriers ont été, à la fin des années 50, début des années 60, des gens à qui on a interdit ou en tout cas recommandé de faire autre chose. Et vous avez continué quand même, vous avez été un prêtre ouvrier jusqu'au bout. Oui. Et maintenant que je suis en pré-retraite, je le suis plus que jamais. Parce que j'ai encore plus jamais autant de travail au niveau associatif, responsabilité de représentation des locataires auprès de mon office HLM, vie associative, collectif d'animation dans une ZUP de 3600 logements, dont 40% est dans la catégorie des sans revenus, 20% revenus précaires. Et à cause de la liquidation de la Normande et du chantier naval. Votre hiérarchie vous a jamais fait des remontrances, demandé de quitter la CGT? Vous n'avez jamais eu d'ennui? Jamais. Juré? Juré, tout à fait juré. Et comment? Plus que ça même. Mise au clair, partagée. Mon évêque sait ce que je fais. Il vient une ou deux fois par an, il a beaucoup de travail. C'est vrai qu'il a du mal à choisir, il fait comme Sainte-Thérèse, il prend tout dans son diocèse. Mais
On aimerait le voir plus souvent, il est très occupé, mais et deux ou trois fois, notre équipe de prêtres ouvriers du vin, on se retrouve avec lui. Mais il est bien interdit quand même dans le droit canon aux prêtres d'exercer une activité politique ou syndicale, quelque chose. Non, mais là, il faut quand même faut être clair. Ce qui est du domaine du syndicalisme, ce qui est du domaine de la représentation de la vie associative dans un certain nombre de secteurs de la vie sociale, je pense que l'Église doit faire confiance à ses baptisés et à plus forte raison à ses prêtres. Vous allez regarder avec moi un témoignage qui est un reportage de Didier Régnier et François Lebon que nous avons réalisé en Pays Basque. Vous avez peut-être entendu parler de ce curé d'Espelette, le père François Garat. Je prononce mal le basque, donc je vais le prononcer à la française, qui a été incarcéré pendant 2 mois à la prison de Fleury-Mérogis pour avoir hébergé un réfugié basque espagnol dans son presbytère. Il a été inculpé d'association de malfaiteurs et aide à séjour irrégulier. Il a été libéré le 18 mars, mais auparavant, il avait passé 2 mois en prison. Alors, il raconte tout d'abord à Didier Régnier comment les gendarmes sont intervenus chez lui et comment il a retrouvé des traces de balles. À 6h du matin, le GIPN a défoncé la porte d'entrée et ensuite, les gars de la police se sont dispersés dans toute la maison. Alors, pendant ce temps-là, moi, j'étais donc menotté et j'étais occupé avec les inspecteurs qui faisaient la perquisition au bureau. Au retour, qu'est-ce que j'ai constaté ? Parce que j'avais appris par le compte rendu de la perquisition qu'une balle était partie au second étage. Alors voici ce que j'ai trouvé. Ici, au second étage, une balle est partie d'ici, une balle à caoutchouc, d'après le rapport, a traversé l'armoire, est venue ensuite ici, et donc ici, a traversé, voici le trou sur le rideau, a traversé le carreau, et nous remarquons qu'il y a 2 impacts sur le volet. La balle en caoutchouc, toujours soi-disant en caoutchouc, a rebondi ici, est venue donc cogner le mur. Pour vous dire avec quelle violence donc la police est intervenue. Bon, c'est vrai que c'est une figure symbolique, le prêtre en Pays Basque, il ne faut pas y toucher, mais c'est vraiment pour que la peur gagne les habitants du Pays Basque et qu'on se dise que ça suffit, arrêtez d'héberger les réfugiés. On n'avait jamais vu cela à Espelette, un prêtre basque arrêté, chez lui, au presbytère, la première fois depuis 40 ans. Cagoule noire du raid et menottes sous la croix du Christ, le choc a été grand. Pour avoir hébergé un réfugié basque espagnol en situation irrégulière, François Garat a été incarcéré 2 mois à Fleury-Mérogis. Alors, d'une seule voix, le village a réagi. Marche silencieuse, messe qu'on célébrait, rien n'a été assez beau ni assez fort pour exiger son retour. Toujours inculpé d'associations de malfaiteurs et d'aide à séjour irrégulier, le prêtre est revenu au village en liberté surveillée. Pour expliquer ses actes, il invoque aussi bien la tradition basque que l'évangile. Selon lui, les deux l'autorisent à ouvrir les portes de son presbytère pour donner le droit d'asile. Il est, je dirais, dans la logique même de la tradition d'hospitalité de ce peuple basque que le prêtre ouvre aussi, je dirais, à plus forte raison parce qu'il est prêtre et qu'il a un devoir aujourd'hui de mettre en pratique l'évangile. Vous ouvrez vos portes et vous accueillez des personnes. Cela veut dire que le droit d'asile, vous le reconnaissez pour n'importe qui ? Lorsque quelqu'un se présente chez le prêtre, chez moi, je ne lui demande pas sa carte d'identité, ni son casier judiciaire. Cela veut dire que demain, un policier espagnol se présente chez vous. Est-ce que vous l'hébergez ? Je crois que cette question ne se pose pas parce que ce policier espagnol ne se présentera pas. Bon, mais moi je vous dis... Ou un réfugié dont vous savez pertinemment qu'il a commis des actes criminels, par exemple. Vous l'accueillez quand même ? On ne sait pas qu'est-ce qui vient. On ne demande pas à celui qui se présente qu'est-ce qu'il a fait, pour quelle raison il se réfugie. Ça, on ne lui demande pas. Je crois que là, il y a chez le prêtre et à la fois le droit de réserve et je dirais le secret de confession, même s'il n'y a pas cet acte de confession. Il y a ce droit de réserve. Sinon, il n'y a plus de confiance possible. Si l'on va au bout de votre raisonnement, cela veut dire que, par exemple, à une certaine époque, vous auriez accueilli Touvier.
Je ne sais pas, je peux pas vous dire. N'est-il pas paradoxal d'entendre un prêtre, comme vous, parler de combat plutôt que de paix? Mais la paix romaine, nous l'avons apprise dans le temps en 6e, en 5e en histoire. Nous connaissions ce qu'était la paix romaine. Aujourd'hui, si vous voulez, la paix américaine, nous savons ce qu'elle est. La paix telle qu'elle est formulée, telle qu'elle nous est apportée par le Christ, ce n'est absolument pas la paix du cimetière. Ce n'est absolument pas la paix des prisons. Au contraire, c'est une paix qui a une force incroyable et qui ne se fait pas sans verser des sueurs, de la sueur. Verser de la sueur, le combat quotidien de l'abbé Gara passe rarement par les sermons qui rassurent. Grand défenseur de la langue basque et des prisonniers, il n'hésite pas à s'engager aux côtés des paysans. L'exode menace, il participe à un GFA, groupement foncier agricole, objectif, soutenir les métayers contre les propriétaires, acheter des terres pour y installer de jeunes agriculteurs. C'est la couleur de sa foi et le prix de son engagement. Reste qu'aujourd'hui, les sorties de messe ne sont plus tout à fait les mêmes qu'auparavant à Espelette et que beaucoup de paroissiens s'interrogent sur cette église qui bouge un peu trop. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le prêtre se dérobent au moment de parler ou exigent d'être cachés. Le malaise est là, qui fait peser chaque mot à chaque villageois. Il est inadmissible qu'ils approuvent la violence, qu'ils hébergent des réfugiés qui sont poursuivis pour violence, qu'ils abritent des assassins. C'est aujourd'hui qu'on nous fiche la paix, et que ces attentats s'arrêtent et que les prêtres s'occupent de l'église. Je ne vais pas répondre. Pourquoi ? Je suis commerçant, je travaille avec tout le monde, mais je ne veux pas répondre à des questions comme ça. Là non plus, je ne suis pas d'accord. Le gars qu'on a trouvé chez lui, bon, si on aurait trouvé Santi Potros ou des gros chez lui, je pense en plus qu'il pensait trouver des gens comme ça chez lui. Mais là aussi, ils se sont peut-être un petit peu trompés et on l'a quand même emmené pour faire passer ce message, parce que finalement ils ont bien réussi, leur message est passé. Les curés sont vraiment impliqués, ce sont eux qui gardent les séparatistes basques, les curés sont plus qu'implantés dans le terrorisme du Pays basque. Bon, on considère... Non, j'y crois pas. Voilà, le dernier intervenant, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Peyo d'Hospital, l'ancien membre de l'équipe de France de rugby. Et puis nous avons reçu aussi une lettre de quelqu'un qui avait été interrogé par Didier Régnier dans ce village d'Espelette et puis qui a demandé à ce qu'on retire et son intervention et son visage parce qu'il a peur des répercussions. Comme quoi il y a un vrai climat difficile à propos de cette affaire du curé d'Espelette. Père Margie, vous auriez fait quoi, vous? Vous auriez hébergé un présumé terroriste espagnol? Vous le comprenez, ce curé? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des prises de risques qui sont inévitables. Quand on aime un peuple, quand on est dans une population dans laquelle on donne le mieux possible toute sa vie au service de l'Évangile, en aimant les autres, je comprends très bien qu'il y a des solidarités qui amènent à des prises de risques. À vos côtés, le père Jean Cabon, vous êtes aumônier des chrétiens du monde rural, vous êtes... Vous m'avez dit tout à l'heure près de Margaret Thatcher, tout au bout du Finistère. Quelle réaction vous avez après ce témoignage du curé Basque? Vous vous sentez proche de lui? Vous pensez que là, l'Église fait de la politique, mais qu'elle a raison d'en faire? On a donné ce qu'il a fait. Je suppose qu'il y a eu chez lui toute une concertation, réflexion, avant ou après. Et je trouve dommage que cet aspect-là n'apparaisse pas. Ça ne me gêne pas du tout que dans l'Église, quand on prend des initiatives, on puisse faire des faux pas, s'embarquer peut-être dans les impasses. C'est pas la première fois. Oui, c'est vrai. Si on veut faire du neuf, il faudra bien rompre des barrières. On ne voit pas trop ce que ça va donner. Ce qui me semble le plus important, c'est qu'on ne se présente pas comme détenant sur ce qu'il faut faire. Qu'on ait l'audace, ça fait partie de l'humanité. L'audace.